Shalom peuple de Dieu, shalom bino bato bo mesana en kolanda biso na kati. Ya émission na biso to pesa bino na canal Peniel TV na Major Kadema Mabaza. Zamba mona bino bino ba yoyo bo mesana groupe na biso ya école de disciples to pamboli bino na nyoso nzambe na biso amona bino ba we bozo ya mbabiso na kati na ba téléphone na nzela ba Facebook na nzela ba YouTube. Nzambe amona bino bien aimé dans le Seigneur to kangi misuna biso pona obondela nzambe na biso kolo to tombolio nzambe malamu moza sali kolo na se to peso lokumu ke moma sanzoli po to zali nzambe oya pesi biso moma kitoko to partager le lobana yo nzambe ata bato ba umela na makambo ebele ata bato banganga bakanga bandoki baloka ezana mukolo yo kutana kana bango o libera ka bango na maboko ya bato kombo na yekumba mapesa njola ma parce que ozali nzambe na kombo na Yesu Masia dirige moma oyo dans le nom de Jésus nyoso etosa oza yote za musika pe yo moko zala na biso ensemble na kombo na Yesu Masia bien aimé dans le Seigneur to pese bino encore une fois shalom shalom vraiment ata tozo kota na ba intercal ya ba temps tozo kota na ba moment ya kozala un peu différent to la ka ki sengeli to pesa malaxe na biso chaque jour mais zo sala ke mamso sou ba difficulté technique et zo comme la biso la fois passée bien aimé to la ki sur la parole de Dieu to lo ba ki et la parole de Dieu ezana mama kambo e bele ya ki toko o ezo ko concerner la parole de Dieu o to bengi la Bible. Une des choses que to mona ki remarquable bien aimé c'est que Bible pe zo lo bele biso sur l'avenir. L'avenir ezanini, l'avenir ya yo chrétien, ya l'avenir ya yo disciple, et Bible zolo ba ete ndenge to yambi Yesu boye, c'est-à-dire ezane logo moko biso to zelaka, ezali koya na Yesu Masia. Donc ezana mama makambo ebele, to kotanga verset na biso mibale, o to partager na pokwa na lelo. To tangi mukanda na Jean chapitre 14 verset nango 2 à 3 à 3. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Deuxième verset Nabiso. Tozo tangango namukandaya Acte chapitre 1 verset 11. Tolobi boye, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Lilo bananza mewana, bien aimé dans le Seigneur. Totangi nos deux versets, ce qui totali bien thème nabiso ya pokwana lelo, ezali quand Jésus reviendra. Yesu ayaki na mokili oyo. Selon verset à Jean chapitre 14 verset 2 à 3, ezolo banabiso rapidement que je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est-à-dire Christ komatanaye avant akende, c'est-à-dire ayaki étant wakei à lakibiso, il nous a promis que akuzonga. Tolongi toka bwana leson o bien aimé tokomona makambo eleka ki epai na Yesu tangu ye akozonga. Ler Yesu akozonga makambo nini kosalama. Parce que avant to lobela nanu makambo ya kozonga sengeli to lobela nanu Yesu asalaki nini avant tangu ayaki. Qu'est-ce qu'il a fait? Faut to lobela. Toko lobela ka koya na ete sans pourtant to lobela nanu nenge ayaki. Si maintenant on te relève là, l'air à rozong, l'air y est soyez bien aimé dans le Seigneur, bah baki y est sunekulusu, bah kangi y est, bah memie nekulusu. Nakate kulusu vers 9h du matin, il est mort. Vers 3h de l'après-midi, un homme appelé Joseph d'Arimathée, il demande le corps de Jésus. Lui et un ami appelé encore Nicodème. Bah Tommy Balé, tango bah baki y est sous. Naba 9h, naba 3h, c'est-à-dire naba 15h. Ces deux personnes, le roi Bazaki a influence. Yango, ils ont malam ou peine église, tous à la canabato, baza ba influent.
bana nzambo pe bazana ba position ya malamu po bango bakuki po kosunga musala na nzambe ekende liboso. Alors ces deux disciples ba disciples ya ba disciples bazaki visualité bazaki pe na visibilité makasite bazaki disciples bazo sunga o tobenga bango les zéros dans l'ombre ba les zéros dans l'ombre ba disciples lokola José d'Arimaté lokola Nicodème les zéros dans l'ombre ba ke ko senga kolo nzoto na Yesu Masia po na ete bakundango. Ils enveloppèrent de bandes avec des aromates. Ce n'était pas des disciples. Oyo Yesu azaki na bango baba na ke ko senga nzoto, mais c'était les zéros dans l'ombre. Ils ont préparé le corps de Jésus ba mbome yango na tango akala baba na ko kunda batu esengeli ba sipaye ba kangaye ba bande ba tue ba parfum qui vous permettent de mouta pour la rapidement bien aimé dans le Seigneur. Il plaça ensuite le corps de Jésus dans une sépulcre neuve creusée dans une colline. Ils roulèrent une grosse pierre devant l'entrée. Donc Christ, quand il est venu, il a prêché la parole de Dieu. Il a fait des miracles. Mais Christ, ba kangaye, ba bomaye, likolo ne koulousou. Awa, Yesu, il faut yeba ki azalaka, Jésus a été crucifié. Bilo wana fou yeba, c'est tellement important. Il a été crucifié, pourquoi? Toko yeba yango. Jésus était aussi mort. Moi, nanzame, le Messie était aussi mort. Les disciples étaient vraiment très tristes, bien aimés dans le Seigneur. Même si le Seigneur Jésus leur avait dit qu'il va ressusciter, mais les disciples sont toujours tristes. Mais le troisième jour, bien-aimés, ils ne croyaient pas vraiment à ce moment-là. Christ a couffi, ils ne savaient pas qu'un jour, le troisième jour, Christ est face à eux. Malgré qu'ils soient tous les matins, bien-aimés, tu as une histoire de malam, trois femmes virent au sépulcre de Jésus. Pour l'embaumer, va continuer à embaumer Nzoto ya Yesu Masia. Quand il arrivait, elle arrivait, na tombeau bien-aimé, elle vit que la pierre avait été roulée. Parce que libango batia qui wana mutumoko ko tombo la wazate. Mutumoko atini la wazalate. Mais bakomi, subitement, baza étonné, ya ko mona libango batia ki liboso, et komi roulé. Et un ange leur parla et leur dit, dans Matthieu chapitre 28, versets 5 à 6, bien-aimés, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui était crucifié, tout le monde qui est crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Christ, malgré Babomaye, nous devons aussi savoir que Christ a été ressuscité. Parce que l'ange témoigne cette histoire devant les trois femmes qui étaient parties pour voir embaumer le corps de Jésus-Christ. Les femmes virent que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Ils ne savaient que penser. Ils étaient effrayés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils conçurent le dire aux disciples. Bango bye bye ka ke non. Même ange et bango, ils avaient toujours de la doute pour que ils savaient très bien, elles savaient très bien que en tout cas c'est difficile. Marie Magdala, bien-aimée, racontera Pierre, il raconta tout ce qu'il a, elle a vu. Elle raconta ce qui était arrivé et Pierre et Jean coururent au tombeau. Et aussi, ils trouvèrent le tombeau vide. Il y avait que les bandelettes. Bandelettes, on a dit qu'il y avait un peu de temps pour que nous décomposions et décomposer si comme bien-aimée, dans le Seigneur, plus tard, Marie retourna au tombeau. L'air Pierre n'a jamais baillé, ils n'ont même pas vu le corps de Jésus, ils ont retrouvé seulement des bandelettes. Mais Marie a zongi lissoussouye moko na tombeau, comme il se tenait près du tombeau, en pleurant. Bien aimé dans le Seigneur Jésus lui a paru et le prit pour les jardiniers.
Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Jésus lui dit, « Marie. » Quand Jésus appela Marie, c'est alors que Marie se retourna et l'ayant reconnu, lui dit, « Maître. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours dit, « Le Gana Yesu Nanzela. » Maman Bounzambe, « Oyo koko abandonna ngo. » Omi bengi tu es un athée. O proclamé le binga na ye binzambe te. Mais si Jésus ne te révèle pas à toi, o kotika la ndengo wana. Mais ce qui Yesu a se révélé liboso na yo, o koma mwana nzambe, o kozala mutu oyo bien-aimé dans le Seigneur, o ko vivre ba merveille ya nzambe. Et ça est tellement important, nous devons comprendre que nanzela otokoti, il faut que Christ se révèle. Parce que Marie, il était là, il ne connaissait pas Christ. Il y a un Christ à Zoloba, bateau ne son papa, Pessingaï. C'est-à-dire, oh, il y a Zana Yesu, oh, écoutez, il y a Yesu Masia, à reconnaître Yesu, na Makambazo Sala. Cette nuit-là, bien aimé, mes disciples, ils étaient 10, na Katia chambre haute. Ils avaient la tristesse, ils avaient la peur. Mouto Tolanda qui tokanisse, qui tokanisse, qui premier ministre. Tokanisse, qui royaume, qui est établi. Il est parti, qui est au Soukawa, qui est solo. Bien aimé, na moment wana ils étaient 10, Thomas a la gité. Et Yesu a bimi na katkat na bango. Lokola bazo banga. Yesu il faut abandonner le bosso ko yebisa bango. Kimia na nzambe, kimia na nga ezala kat na bino. Parce qu'ils ont confondu Christ avec lokola un démon, lokola un esprit. Alobi ezangaye. Botala mabakwa pota, botala awa. Ngai oyo nde babakaki na bandeko ko yebisa bino ke nako sekwa bien aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 24 verset 38 à 39 bien aimé zoloba. Pourquoi êtes-vous troublés? Christ a son mona na mitema na bango. Ba comment que troublés? Ils étaient troublés. Et pourquoi pareil penser? Ba penser tamboli bango. Ba pareil penser bientôt l'année musala pamba to lexi 3 ans bibana muto akeyi atiki biso na désordre to abandonna ba famille to tika ba pêche ba te bele ba comment raisonner misalo ba makaniswana nzamba zali ko mona yango. Atolobi makanisi boye kati na mitema na bino pourquoi? Botala mabongo na ngai. Botala makona na ngai. Eza ngai o na lakaki bino. Sadi na abandonne bino te. Botu bo simba ngai. Naza esprite, naza na misuni. Ndenge naza bo mona naza misuni. Naza esprite. Naza na mikuwa. Ndenge bozo mona ngai. Bien aimé dans le Seigneur. Yesu ase kwa ki kati na nkunda. Baba kiene kulusu. Akufi pe ase kwi. Elenge oloba nini bien aimé. Asekwi na mikuwa na misuni na ye nyonso. Lokola ba disciple bien aimé, ba monika za na nzoto. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont parlé, ils ont mangé avec lui. Donc bazo confirmer biso que Christ asekwa na nzoto bien aimé. Christ asekwa te to lobako to bele la esprit ya kimbangu, to bele l'esprit ya bale mbonge, to bele l'esprit ya prophète mokote. Christ a c'est quoi na nzoto ndenge abotama lokola moto. C'est-à-dire azana nzoto ti lelo oyo azana yango ndenge bayebelakiye. Mais c'était difficile pour moko azala ki te ndimite. Et sengela ki Jésus a démontré na tous les disciples qu'il est vivant. Parce que la première fois abimé li bango ba moni parce qu'abimi na poisa. Ils ont vu que c'était un esprit. Alors Thomas il faut aza la wana. Yé pe souta ba betel masolo ke Christ aza ke binga so na moni funa simba na mapota na tia mabunsapina na mapota na mabuluwana. Alors Jésus pour démontrer qu'il est vivant na mukanda na Jean chapitre 25 Thomas a confirmé le si je ne vois dans ses mains la marque de clous et si je me mets mon doigt dans la marque de clous et si je ne me mets dans son côté, je ne croirai point. Alors Christ est fou à Thomas. Le Seigneur Christ est abîmé pour Thomas, à Moutouna Tembe, à Souka. Donc, bien aimé dans le Seigneur, après 8 jours d'apparition à Yesu Masia, les disciples, les disciples, les disciples, les 11, parce que, n'oubliez pas, ils étaient 12, et Jida, à sa tête, qui déjà, Yesu a mis Bomi et Moko déjà, Batikali 11. Ils étaient ensemble à adorer le Seigneur. Bible le binde ngwana.
et na poisa Yesu abimeli bango ayebisi bango kimia ezala kati na bino parce que lui il est la paix quand il arrive faut mutaza na paix mutaza na kimia kimia ezala kati na bino et puis Seigneur ayebisi Thomas yaka zwa ma misapi na yo kota na mabula madu Thomas ya ba sete zwa loboko na yo kotisa na mupanzi na ngai Thomas bi te Seigneur na ndimi siko lwa na monio Yesu ayebisi esengo na mutu oyo amonite pe andimi tozo lobela bien aimé dans le Seigneur Yesu akozonga teme na biso ezali quand Jésus reviendra makamuni ne koleka tangu Yesu akozonga akoloba nini akosala nini mais avant to lobela tanga akozonga tozo rappeler que Yesu bakanga kai ba crucifié ne kulusu akufi asekwi pe amonani na ba disciples. Alors Thomas a l'obité Seigneur na kosa la biloko wana te. Alors Jésus a ipsié et sengona mutu a monité pe andimi. Alors bien-aimé, Christ a soko confirmé biso na Matthieu chapitre 28 verset 19 a l'obité tout pouvoir m'a été donné sur la terre sur les, dans les cieux et sur la terre. Donc Yesu ko kufa pe ko sekwa et l'inkoloba yete a dominé l'icolo à pouvoir non sur le col à Colossiens Philippiens 4 l'obaka a dominé l'icolo à principauté basi combo sika ba pesier basi autorité ba pesier basi pouvoir pesier yangozo confirmé dans Matthieu 28 verset 18 alors tout pouvoir m'a été donné sur les dans le ciel et sur la terre. Puis un jour bien-aimé alors que les disciples basala qui toujours ensemble le Seigneur Jésus fit enlever la présence na bango. Donc Christ a c'est quoi? A koufa premièrement, ba baki ne koulousou, a koufi, a sekoui, a bimeli ba disciple. A solo na ba disciple, a lia na ba disciple, a mena na bango iska moko. A solo na bango. Bien aimé, Thomas moutena tembe, a mona ye. Bango nyon se basa ensemble, après 40 jours, Yesu a mata li kolo, voilà biloko Yesu a sala, tan wazala ki na moukini. Mais tozo lobe la thème nabiso ya lelo bien aimé dans le Seigneur. Seigneur to comprendre biloko wana iska to kotanga. Batu na Galiléen na mu Acte chapitre 1 verset 1 à 11. Ezoloba homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire de la même manière que Jésus a kenda de la même manière qu'il va revenir. Et quand il reviendra, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fera? C'est-à-dire, si on comprend le verset 4 autres, le Seigneur Jésus reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Les disciples ont vu Jésus monter au ciel et les chrétiens verront, les disciples de Jésus verront. À ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples ont vu comment Jésus est monté. Mais les lots, bah, chrétiens, bah, disciples de Jésus, ils vont voir comment est-ce que Jésus va revenir na katina mukili oyo. Banal ba omonaye, bah, chrétiens bien-aimés. Banal ba omonaye, bah, to ba mi bengi, bah, disciples de Jésus. Bah, corrompite bien-aimés. Bah, adultère, bah, faussaire, bah, voleur, bien-aimés. Bato bazo tambola na ko banga nzambe les gens qui ont l'amour du prochain. Le Seigneur Jésus prépare une belle demeure. Il est allé pour faire quoi? Il est allé préparer une belle demeure au biso tokokutane dans le ciel pour nous et un jour il reviendra nous chercher bien-aimés dans le Seigneur pour être avec lui. Il a dit dans sa parole dans Jean chapitre 14 verset 2 à 3 bien-aimés, il a dit ceci: je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Bien-aimés, Christ a consacré. Nalobara toujours boy. La promesse de donner un sauveur à Israël, ezala ki na temps ya Christ était. Ezala ki na Nathan ya kala Esaïe déjà banaye kolobelango. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament, l'enfant est né. Ba pesi kombo ya Jésus qui signifie sauveur. Pour sauver son peuple na maboko na bato.
Yaona lobaka bien aimé. Pour sauver le peuple du péché, ezaka musala ya Yesu. Kaka ya Yesu, mutu mususu te. Même pas un disciple, même pas une personne. C'est seulement Jésus qui a le pouvoir de sauver quelqu'un au péché. Ce qui au croire katnaï. Donc voilà pourquoi nous disons que Jésus, il est monté, les hommes de Galilée, les disciples galiléens le voyaient monter, et de la même manière qu'il est monté, il va revenir. Il est dans le ciel, dans le moment où Christ est dans le ciel, il prépare une belle demeure pour Natina Nabisso. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien-aimé. Nous savons qu'il reviendra parce qu'il a dit, je reviendrai. Parce que lui-même, il a confirmé, je vais revenir. Je suis allé préparer une demeure, faire une nouvelle cité. Après avoir fini la nouvelle cité, je vais revenir, bien-aimé. Pour ceux d'entre nous qui l'ont reçu comme le Seigneur se sauveur, son retour sera une grande joie. Yomoto ndimeli Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Le retour de Jésus, c'est une grande joie. Parce que vous allez ensemble naïer. La première chose, Jésus va revenir pour nous prendre, nous chrétiens, nous les disciples de Jésus. Parce qu'il va revenir chercher pour être avec lui. Voici ce que la Bible dit dans Mukanda, dans Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Et le Biboye. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur le dénoué, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Jésus va revenir pour deux choses. Seigneur, tu comprends. Premièrement, le mort en Christ. Excusez. Les morts en Christ, bien-aimés, ce sont les gens, bandima ki Yesu Masia, ba koufi katina Yesu. Les morts en Christ. Bato ba bousi fouate. Bato ba zangina foua. Ba koufi na foua na bango. Ba koufi na Yesu Masia. Ne to bengi bango. Ba mort en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire les chrétiens qui sont morts avant son retour. Tout le monde là qui sont morts avant son retour. Yesu na noyete bango ba koufi. Ah, to zangina pasteur, par exemple, pasteur Zinga. Azaki pasteur Malam akufi sikoyo ake Yesu na zongite. Il est dans le mort, ce qui réellement Azaki Azaki Malam. Azarakati, Yakope Makozela, Kelelo, Ya Yesu Masia. Si Malayangol, ce qui ba oyo ba koufi kat nan kolo bangonde ba bandali bosoko kolamuka. Yami balé bien aimé dans le Seigneur, nous les vivants qui serons restés. Ce qui ozala tina tangwana, ce qui n'a kozala petina tangwana, tous les ba vivants, oyo, ba kozala kat kat na Christ, c'est-à-dire. Tous les chrétiens bien-aimés vivront sur la terre dans son retour. Vous comprenez cela, bien-aimés? Les chrétiens qui sont morts et les chrétiens qui seront vivants quand Jésus reviendra seront enlevés. L'enlèvement, bien-aimés, c'est l'histoire qui reste pour l'Église. Moment où tous les l'enlèvement. Banane va vous enlever. Bato va couper quatre naïfs massia. Va couper déjà cala. L'air non nous y soit été. Bah on s'est pas mis couper là qu'avant. Mena batu ope ba kozana bon moi me bazana Yesu ba yamba Yesu ba mibenga ba chrétien ba véritable chrétien ba chrétien muyibite ba chrétien lukutate ba chrétien kindokite ba chrétien mungi kindumbate me ba chrétien o bazo banga nzambe na biso bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand arrivera-t-il ce que nous n'aurons pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur? Na bato ba yamba Yesu te bien-aimé, quelqu'un arrivera-t-il? Ils seront laissés sur la terre, bien-aimés. Ils traverseront une grande période qu'on appelle la tribulation. Bato ba yambi Yesu na masaya, masiate. Bien-aimés, nanga na peso conseil. Yo muto na yambi Yesu te. Soko Yesu aye lelo otika la. Lelo otika lo ko passer ba moment otozo benga la tribulation. Et ozala moment difficile Bible zoloba. Bible zoloba, Jésus kutuye mo zoloba. Allons, la détresse sera si grande qu'il n'y aura pas un départ depuis le commencement du monde. Ça sera une période terrible sur la terre, comme il est important pour nous de gagner les autres au Christ maintenant. Et ça sera difficile.
papa te a mwasi, mama te a mbali na yo, mama te a bana, yebi sa mwenge Kristo wako ya, baza la pre po na ko kamata yiko, kondima Yesu Masia, po mukolo wana bati galate, natala filme mwoko ya enlevement, le pasteur est resté, l'ami fidèle est resté, moutan genek église est resté, mais pourquoi ils ont resté? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur, bien-aimé. Il faut avoir Jésus dans leur cœur, parce que tout ce que nous faisons est que le cas. Nous laissons sous ton temps qui nous a bien aimé dans le Seigneur. Tolobaki, le monde ne veut pas te permettre pour que tu, parce que tu es allé à la couronne. Ton corps propre vous permettre de parce que tu es à la couronne. Et le diable, surtout lui, il ne te laissera jamais parce que tu es à la couronne. Bien aimé dans le Seigneur. Après ces événements, le Seigneur Jésus reviendra sur terre avec les chrétiens. La première chose, tu dois savoir. Après l'enlèvement, c'est-à-dire l'enlèvement va durer 1000 ans. 1000 ans fait, il y a au Sepela, il y a au Simba Yesu, il y a au Mona Yesu, il y a au Zaleska Mona Yesu, il y a au Tuna Bakesion, peut-être au Tuna, mais tu n'as pas qu'il y a au Té. 1000 ans. Après 1000 ans, Jésus va revenir sur terre avec tous les chrétiens, naba vivants, naba morts, ba Latinzoto, ba Zongi na Mabele. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Tous ceux qui seront allés au ciel avec lui reviendront avec lui pour régner avec lui. Premièrement, il viendra pour nous et puis il reviendra avec nous. Voilà la nuance. Christ va revenir pour la rejoindre. Peut-être qu'on a eu les sous après 1000 ans qu'on régnait dans cette moukili. Les lots sont les lots satanistes, les régnés. Ils sont les lots encore, les lots, les chrétiens vont régner dans ce monde. Et monde où il y a un monde, il y a Sika. Tu te demandes quand Jésus reviendra. Tu n'as pas ma question parce que quand je te lis, il vient bientôt. Bientôt, mais quand est-ce qu'il viendra? Est-ce que quelqu'un le sait? Moutoumoka yebi, quand est-ce que Jésus reviendra, bien-aimé? Non, moutazi yebi angwazate. Personne ne connaît exactement il viendra quand. Personne ne connaît. Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 36, lui-même Jésus confirme ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Qui connaît le jour que Jésus va revenir bien-aimé dans le Seigneur? Ezakaka, mutu ayebiango, ezakaka, tata. Tata nda yebi, le moment où Christ est akouya. Moment où Christ akouya, tata nda yebi. Mutu mususu ayebi azate bien-aimé. Jésus peut revenir n'importe quand puisque c'est certain. Nous devrions être toujours après. Toujours prêt à la rencontre. Il peut revenir dans l'heure qu'il lui veut, mais ce qui est important, soit prêt, bien-aimé, dans l'heure nyonso, au Christ, à Koki Koya. Comment pouvons-nous être prêts pour la venue du Seigneur Jésus-Christ? Nous pouvons être prêts pour sa venue, premièrement, en l'aimant. Il faut l'ingayer sous bien-aimé, au tigre l'espace dans mon moinao. Ce qui est l'ingayer dans Yesu dans mon moinao, tu ne laisses pas encore un espace dans ta vie, bien-aimé, ça sera difficile. Comment nous pouvons entendre Jésus-Christ? Comment pouvons-nous être prêts à la venue du Sauveur? Aimé Massia, bien-aimé, lingaye, lingaye loba Seigneur na lingiyo, kotra mutema na ngai. Apocalypse chapitre 3, verset 20, loba anewana. Il est à la porte, il frappe. Ce qu'on s'appelle na ye, au lingiye, tu le mets dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, tu dois aimer Jésus. Aime Jésus, bien-aimé. Et la deuxième des choses, quand tu l'aimes, tu dois l'obéir. Obéissez à tout ce que Jésus dit. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez dans le message que tu écoutes dans la Bible. Dans le message que tu écoutes dans des télévisions, dans des Facebook, dans des YouTube. Obéissez à ces messages, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole dit à propos de ceci, de cela? Tu dois obéir rien qu'à la parole de Dieu. Comment pouvons-nous être prêts pour l'avenir du Seigneur? Troisième chose, bien-aimé, quand tu l'aimes, tu l'obéis, c'est à ce moment-là que tu vas le servir. Servez le Seigneur, bien-aimé.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour servir le Seigneur, il faut être un pasteur. Non. Il ne faut pas être un évangéliste. Ça ne vaut même pas la peine d'être un prophète pour servir le Seigneur. Sers le Seigneur comme un disciple. Les disciples, ils servent le Seigneur, ils l'appellent maître. Ils écoutent ce que le Seigneur dit et il est témoin du maître. Il annonce ce que le maître fait aux autres bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça servir le Seigneur. Nous devons servir ce Dieu-là. Nous devons servir ce Messie. Nous devons servir ce roi. Il va venir comme un roi. Il a un pays qu'il va diriger le ciel. Il va diriger la terre. C'est lui qu'on a donné tout le pouvoir. La Bible confirme que tout le pouvoir du ciel, dans le ciel et sur la terre, est remis à Jésus, bien-aimé. Nous devons le servir comme des disciples. Et la quatrième chose que nous devons faire pour être prêts à la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est en attendant son retour. Comment est-ce que tu attends le retour de Jésus? C'est-à-dire, quand j'attends le retour de Jésus, je dois me préparer, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dois me préparer. Il faut que je me prépare. Il faut que Christ accoute en état à ma âme. En espérant qu'un jour, quand il va venir, à Koutanga ya ola la terre. Le kola va seka zomi, mba seka mitanou ne mayele, mba seka msousou baza ba zoba. Mobali tango ya yena minu, bango azale ki ya ola la. Bazo ke luka mafuta na lera mobali. Bene, me koze la terre koma na batar. Koze la terre koma na ba limite, limite. Tango zana na makasi. Tango zo kokana ko sala. Tango zo kokana ko loba. Nde lera yango ya koye banzam. Vous préparez le retour, il y a Yesu Masia. Nous faisons cela, nous n'aurons pas honte devant lui quand il viendra. La Bible dit, bien aimé, dans Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'en son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, Jean a confirmé Bissot. Et le bien aimé, tous à la bateau, toko demeure na Yesu Masia. Nous devons être attachés. Demeurer, c'est être attaché. Lui-même, il a dit, je suis le sceptre. Et vous, vous êtes des vignerons. Le vigneron qui ne s'attache pas, qui ne demeure pas à moi, le sceptre, bien aimé, à revivre un dénin. Il ne produira pas de fruits. Nous devons demeurer en Jésus. C'est-à-dire, toute notre vie, nous devons se préoccuper. Non seulement il a dit cela, si nous demeurons en lui, nous ayons l'assurance que nous sommes à lui, bien-aimé, dans la propriété naïe, et que la propriété l'air roya, il apparaîtra et il nous fera de nous des gens qui comprennent, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi Seigneur dit Obanda qu'on comprendre, bien-aimé. Si nous aimons vraiment le Seigneur, bien-aimé, nous désirerons qu'il revienne bientôt. Que notre prière de tous les jours, Ezala bien-aimé, amen, vient le Seigneur, comme l'Apocalypse 22, verset 20, Zoloba bien-aimé. Si nous aimons le Seigneur bien-aimé, mes prières, c'est la Seigneur Zonga Noki bien-aimé. C'est Nzambe na Lola Zonga Noki, Koutanga na Kondimo, Yonazana Omakasi. Nzambe na Lola Zonga Noki, Potango Yoko Zongo, Simangai, Oko Ya, Toko Koutana na Yo. Bien-aimé, c'est très important. Quand Jésus reviendra, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu aimes Jésus? Quand Jésus reviendra, est-ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu es une personne qui l'aime vraiment? Tu l'obéis même dans ta vie? Bien-aimé, dans le Seigneur, il est très important de choisir, de faire un choix, parce qu'il va revenir. Bible le lobby, Ayarina Moukila Koufi, Kokoufa Koserwa, a été déjà annoncé avant. Et Bible le lezo ba biso que celui-là au ba nosaka a koufa a sekwa a bouti au likolo. Il va revenir. Je suis certain que cette parole est aux ala sûr et certain Christ a roya. Es-tu prêt bien-aimé quand Jésus va revenir? Comment est-ce que oyambaye? Oyambaye na anglais nin. O sala nenge nin quand Jésus va revenir. Voilà pourquoi bien-aimé tozo chité lelo awa. Nzambe na biso mon abisu no. Bo partager ma vidéo tozo tiela bino. Eza important. Moi na mayelo azo nga ko ma disciple la na ba vidéo na biso, tu vas apprendre makamu nini o eza briefing na zo pesa
ya kokoma mwana nzambe pe kozela ko ya na Yesu Masia botika la malamu nzamba mona bino sika bozali tobondeli poto kanga lusambo na biso bien aimé notre Dieu nous te remercions parce que nzambe quand tu vas revenir Seigneur nous savons que tu vas revenir pour nous prendre et tu vas revenir encore avec nous dans sur cette terre bien aimé dans le Seigneur nous n'avons pas cette force il y a trop de mouvements il y a trop d'astuces il y a trop de problèmes Seigneur, si toi-même tu dis tu vas toucher nos cœurs et que tu vas nous toucher, tu vas nous prendre en main, nous allons être des bons serviteurs, des bons disciples pour attendre ton retour. Touche-nous, Seigneur, garde notre cœur, afin que tu sois toujours prêt na yo. Na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, shalom, botika la sou malamu, nzamba mon ami jusqu'à bozali. Ceux qui apprécient biso pe malobi, toko za sous na thème sou toko partager, pour na robaxa toujours, le lengeni ni mwana nzamba koma mature, et qu'est-ce qu'il attend? Il y a des choses merveilleuses, il y a des choses merveilleuses.